Déclaration préliminaire. Justice aura été rendue. Ma Silla pourra désormais mourir en paix. Toutes les oraisons funèbres lues le jour de ton inhumation auront désormais un sens. Le tribunal de première instance de Mafanko a tranché ce 4 avril 2023 en retenant dans les liens de la culpabilité Patrice Lama, Célestin Milimono, Daniel Lama, Sebori Sissé, Teburo. Le tribunal a retenu à leur encontre les faits de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il y a également l'avortement, mais aussi le risque causé à autrui, et principalement le viol qui ont été retenus par ce tribunal. Je pense à toi, maman. Je pense à ta grand-mère. Je pense à ton père, ainsi qu'à toute ta famille, durement éprouvée, comme eux, cette décision de justice qui ne te réveille pas, mais qui, finalement, nous soulage quelque part. Le temps de la justice, différent du temps tout court, a sonné pour toi et tes proches. Cette décision devrait marquer plus fortement le regard des juges, mais aussi une certaine pratique judiciaire pour lutter plus efficacement contre les atteintes à l'intégrité physique de la jeune fille, de la femme, dont les corps sont aussi sacré que tous les autres corps. Par cette décision historique, puisqu'une première nationale se dessine, une évolution dans le sens du prononcé de la sanction par les juges lorsqu'il s'agit d'appréhender, d'apprécier la faute du médecin dans l'exercice de son activité professionnelle ou en dehors, lorsqu'il aura abusé de son statut et commis des fautes dont les conséquences pourraient être à l'origine de la mort bête d'une jeune femme de 28 ans, que tu étais pleine de vie, d'espoir et le symbole d'une beauté. La décision Massila devrait désormais faire jurisprudence, s'imposer à tous et à toutes, y compris au-delà des frontières de Guinée. Pour une première, la voix d'outre tombe et est entendue par le juge et la justice en Guinée. La conviction du juge s'est faite au-delà du rapport du médecin légiste. L'innovation la plus marquante dans cette décision judiciaire réside dans l'idée que l'acte d'avorter ainsi que les actes chirurgicaux réalisés par le médecin peuvent être considérés par un tribunal non pas comme de la chirurgie pour préserver la vie, mais en soignant le mal, mais comme des coups et blessures qui mettent en avant l'instinct criminel d'un professionnel dont la noblesse doit l'amener à protéger plutôt qu'à tuer. Dans le contexte général contre l'impunité, cette décision doit conduire les praticiens du droit et les acteurs des sociétés civiles à réclamer d'améliorer les textes de sorte à réprimer les violences commises ou susceptibles d'être commises en milieu médical et du fait des professionnels de ce secteur. L'éthique et la déontologie doivent être déterminants du port et de la conduite de la blouse blanche. Repensons le code de déontologie médicale de nos pays pour assurer plus de cohésion, plus d'harmonie dans un secteur clé de la vie de tout un chacun. Agissons pour plus de responsabilité des autorités judiciaires. Elles viennent d'en administrer la preuve des autorités nationales et surtout ordinales qui ont brillé par leur absence tout au long de cette procédure et de ce procès. En espérant qu'elles ne manqueront pas de prendre la suite du juge en prononçant au terme d'une procédure disciplinaire des radiations. Le drame et la tragédie de la famille de Ma devraient stimuler nos consciences contre l'immobilisme insupportable, la torpeur irréprochable pour prendre conscience et faire de nos engagements les uns les autres. La lutte contre la violence sexiste et sexuelle ne saurait être disputée par rien ni personne, y compris par un instinct corporatiste, oubliant les exigences qu'impose le serment d'Hippocrate. Imaginons des enseignements de violence basés sur le genre dans le cursus de formation de l'ensemble des professionnels de santé. L'échec, elle est aussi moral, même si il ne faut pas tout confondre. La mort de Ma ne doit pas être une mort restée sans que rien ne se passe. Tout comme celle de Dame Aïssatou Sow,
dont le sort judiciaire a été en dessous de celui de Massila. Sauvons toutes les vies de jeunes filles et de jeunes femmes particulièrement exposées à l'instinct bestial d'hommes agissant, suivant de mobiles incompréhensibles et inacceptables. Contre cela, la loi, le droit et la justice devraient systématiquement sévir.